Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec Spider-Man qui a bougé. Qui bouge. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais il bouge bizarrement. Ils veulent savoir la vérité, pourquoi il bouge comme ça. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo, nouveau épisode, une série que vous avez bien aimé. Vous avez bien aimé le premier épisode. Sous ma ta ha. D'ailleurs, ça, vous qui faites dans les vidéos de la salle, j'arrête pas de dire ça. Je vous dis dans mes vidéos maintenant. Et du coup, on va regarder un clip. Est-ce que Dinas, t'as 2 minutes pour regarder le clip? Il dure, la course, elle dure 4 minutes. Vas-y. T'es prêt? Wow, arrête, il pèse 25 kilos le truc. Regardez comment il est, les gars. Wow. J'ai l'impression que c'est moqué, on porte moqué. Sous ma tête. Est-ce que tu veux te poser avec moi, regarder la vidéo? Non, ou tu dors? Ouais, tu regardes comme ça. Alors, ok, donc du coup, aujourd'hui, on va regarder le clip qui m'a été envoyé par un petit babouin. Je rappelle, vous pouvez m'envoyer vos courses et les valadiennes par mail, vous avez été nombreux à m'en envoyer. Et du coup, bah, chaque jeudi, je ferai un épisode. Si vous kiffez, au fur et à mesure, je ferai un épisode. Arrête. Donc, du coup, est-ce que t'es prêt? C'est bon, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts dans les commentaires? N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche. Et je rappelle que bientôt il y a la Unicup. Donc si vous voulez participer, ce sera la semaine prochaine la Unicup. Elle sera annoncée samedi. Unicup, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, vous pouvez devenir membre et participer à la prochaine Unicup et tenter de remporter le magnifique lot de la Unicup. C'est quoi le lot? C'est un gros lot. Voilà. C'est. Je dis pas. Déjà, il y aura un t-shirt magnifique. Voilà, je le dis. Ok, bon, c'est parti. On regarde la vidéo. Let's go. 3, 2, 1 et go. Alors, on est sur une course by Alex. Donc, apparemment, donc on est posé tranquillement. Donc, c'est une course level zen. Est-ce que tu sais ce que c'est une course level zen? C'est une course. Bah, quand même. Alors, il a mis en avance rapide, du coup. En accéléré. Ouais. Ah, okay. Ouais. Déjà. Ouf. Pour l'instant, ça va. Alors, il faut savoir un truc, c'est une course level zen sans point de respawn. C'est-à-dire qu'il doit finir la course et s'il tombe, c'est mort. Il doit recommencer de début. Il doit recommencer à zéro. Voilà, il n'y a pas de point de respawn. Oh là là là. Donc, vraiment, le mec là, s'il finit la course sans respawn, il est vraiment trop chaud. Ah ouais. Déjà, juste ça, les gars, vous dites c'est simple et tout, mais franchement. Ah. Ah. Mais tu penses que c'est parti de la course, ça? Bah si. Oh là 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 là! Ah ouais, mais il est chaud en fait. Elle est incroyable la course. Alors, déjà, le premier épisode, vous avez kiffé, vous avez dit le mec il est trop chaud et tout. Mais alors là pour l'instant, lui il est vraiment chaud, sachant qu'il y a 0 points de spawn, les gars. Mais non. Ah ouais. Wow. Ah ouais, non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Alors, on rappelle que le temps est à 20 minutes, donc il a mis 20 minutes pour passer. Oh là 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 là. Ah ouais, tu dois revenir en arrière et tout. Oh, mais dis pas que tu dois le refaire dans le sens inverse. Ah ouais, non, non, là c'est trop, là franchement les gars, entre nous, c'est beaucoup trop pour moi. C'est vrai que c'est incroyable. Mais il a pas spawn encore, hein. Ah ouais, non, mais c'est abusé là. T'es sûr il a pas trigé? Bah non. Incroyable. Okay. Ouais, je pense qu'il a dû la recommencer plusieurs fois, non? Je pense, oui, bah oui. Parce que là déjà, tu vois, il a 20 minutes, hein. Donc il a respawn au moins, ça fait 20 minutes qu'il est en train de tester. Sachant que je pense qu'il a déjà en taux, vu qu'il connaît la course parfaitement, comme on peut le voir. Je pense qu'il l'a fini, ou peut-être qu'il a analysé les points, pardon, au fur et à mesure. Wow. Ah ouais, mais c'est abusé. Sérieusement, c'est abusé. Mais non. Wow. Oh. Le truc, c'est Fast and Furious, quoi. Ah ouais, le demi-tour qu'il a fait, là, laisse tomber. Il est trop chaud. C'est un Français? Ouais. Oh my god. Incroyable. Non, mais là, ce qu'il vient de faire, là, vraiment, c'est trop dur. Oh, mais attends, non. Ouais. Là, c'est vraiment... Oh là, ça se voit qu'il maîtrise le jeu, quoi. Ça se voit qu'il maîtrise. Non, mais t'as vu tous les transferts de... Oh là, ça, c'est des transferts de l'oreille. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Ok. Ah ouais. Nous rappelons que le mec a spawn 0 fois. Il a spawn 0 fois, mais c'est abusé. Incroyable. Le pire, c'est que si tu tombes ici, là, genre à cause d'un truc comme ça, ça par contre, j'aurais eu le seum. Ça se voit qu'il connaît bien la course aussi, hein. Ouais. Ah ouais. Il connaît par cœur, ça se voit. Mais franchement, même si tu connais la course par cœur, faut vraiment être très 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 chaud sur GTA pour finir ce genre de course. Oh là là. Oh là 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 là.
Oh là 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 Ah là ouais, il là, revient c'est en sens inverse. incroyable. Il est absolument incroyablement fort, ce gars. On Ouais, peut dire vitesse. qu'une chose, c'est sous-matin. Ah, un point de spawn. Ah, ça y est, il a fini la Oh là course. là 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 là. D'accord. Incroyable. Je sais pas quoi dire, les gars, dans les commentaires. C'est vraiment. À vous de me dire dans les commentaires. Déjà, Dinas, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette, Je suis... C'est vraiment choquant. de cette personne qui est trop forte? Mais tu peux défier quelqu'un et je pense que cette personne peut réussir, peut Comment la ça? faire. La salle? Tu peux, il faut, Il faut qu'il teste. Parce il que faut dans qu'il les teste. commentaires, alors j'ai regardé vos commentaires, les gars, par rapport à la vidéo d'avant, parce que j'ai fait un épisode, un premier épisode, et ils avaient dit dans les commentaires, ouais, il faut absolument que la salle y fasse cette course et tout. Alors vous inquiétez pas, les gars, vous savez qu'il y a une série où la salle teste les courses asiennes, c'est tous les mardis. Non, tous les mardis, ouais, c'est tous les mardis. Ouais, tous les mardis, c'est tous les mardis. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais toi, est-ce que quand tu regardes ce gameplay, tu te dis, ouais, ce mec est un génie. Ce mec est un génie. Ce mec est un génie, les gars. C'est Franchement, incroyable. c'est trop. C'est trop. C'est vraiment trop. Alors, on va regarder. Mais il faut que tu... Il faut que la salle teste. Il faut que la salle teste. Alors, Mais il faut un enjeu aussi. vous avez la chaîne de la personne dans la description si jamais vous voulez regarder bah, ses autres level Asian. Je rappelle que un truc, bientôt, il va y avoir le Balassa Event. C'est ce Ok. que c'est ça. Ouais. En gros, bah, je l'ai déjà annoncé dans plusieurs vidéos, mais en fait, ce sera un event où le but, ce sera de battre la salle. Et celui qui bat la salle, il y aura 5 activités. Et au bout de 5 activités, celui qui a le plus de points que la salle, si bah, ils arrivent à avoir plus de points que la salle, quoi, et bien en gros, ils gagneront 500 euros. 500 euros. Cash, je leur Et donne 500 moi, euros. je suis prêt à donner 500 euros si la salle réussit cette course. Si réussit la course, là, tu donnes 500 balles. 500 euros. Wow. La salle, si tu regardes la vidéo, attention, il Et te défie. 500 euros, hein, pas 500 centimes. 500... Non, en tout cas les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette personne. Si jamais cette personne veut participer à la prochaine Unlimited Cup ou au premier événement La Salle Event, il faut qu'il soit là. Parce qu'il y aura 5 activités, donc je peux déjà vous dire des activités. Il y aura une course BMX, il y aura une course Level Asian et il y aura d'autres petits... Bon, je ne vais pas tout vous spoiler non plus, mais il y aura pas mal de trucs. Ça va être sympathique et ça sera 500 euros. Si vous voulez également participer à cet événement, vous avez le lien en bas dans la description pour devenir membre. Voilà, vous avez juste à cliquer sinon sur le bouton rejoindre. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, une fois que vous êtes sur ma chaîne, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre ici. Voilà, hop. Et là, vous avez tous les abonnements. Et ensuite, une fois que vous aurez les abonnements là, vous aurez accès dans l'onglet communauté. Bon, je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a des liens et tout. Donc, dans l'onglet communauté, vous cliquez ici, onglet communauté, et vous aurez tous les liens pour le Discord, etc. Pour comment participer à la Link Cup, etc. Si vous voulez défier la salle également, il y aura la salle Event Cup. Il y aura tout ça qui va arriver ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez vous défier la salle, participer aux vidéos et participer au live, on se laisse là-dessus. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.